Le livre d'Amos, chapitre 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel. Il a dit, « Frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée. Aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant. Il n'y aura parmi eux aucun rescapé. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent au ciel, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'ils se cachent à mes regards dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel et fondé sa voûte sur la terre. Il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens, Israélites, déclare l'Éternel? N'ai-je pas fait sortir Israël d'Égypte, comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel, car je donnerai mes ordres et je secourrai la communauté d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « Le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas ». Ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David, je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste de Don et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu.